Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une présentation de tout mon équipement d'équitation. Donc j'ai pas non plus 30 000 choses, hein, je vous dis tout de suite, j'ai le strict nécessaire en fait pour monter à cheval et m'occuper de mon cheval à moi. Donc on va voir ça tout de suite. Donc on va commencer par, j'ai tout un amas de Licol. Alors déjà j'ai un petit... J'ai une petite chose anti-mouche comme celle-ci, hein, qui me sert plus à grand chose depuis que je lui ai acheté son bonnet anti-mouche en fait, c'est pas... Ensuite, donc, oh, tac. Alors, sympa Lama, moi je range trop bien mes affaires. Donc ça, oh, ça me tient à cœur. C'est le premier Licol de Django, quand je l'ai acheté il avait encore ce Licol, c'était le Licol du marchand, donc... Donc voilà, on a sur le coup, on n'a pas voulu lui enlever son petit Licol, on avait peur qu'il se tire tout simplement en fait. Donc je l'ai gardé, mais il est tout petit. C'est tout petit, petit. Ah, j'aime trop. Ensuite, par la suite, du coup, j'avais acheté un Licol noir, mais d'une autre taille hein, quand même. Celui-là, c'est vrai que je vous mets rarement. J'en avais acheté un autre que je vais vous montrer en fait par la suite, vous verrez. Donc après, ensuite, j'ai un bleu et marron comme ceci, hop, avec le petit clip là, super pratique. Je l'avais acheté chez Decathlon celui là tout simple, c'est un stanza, rien de plus banal. Ensuite, alors parlons-en de celui là je suis ravie, parce que quand il y a des choses bien on dit, mais quand il y a des choses mal on peut le dire aussi en fait. Donc un Licol Astras en cuir, je tiens à préciser quand même, hein, de vachette, hein, que j'ai acheté chez Ors en fait. Et comment vous dire, il était rempli de strass à l'origine. Voilà, donc là il en manque certains, comme vous pouvez voir en fait, il en manque un là, il en manque un là. Il a quelques mois, hein. il est pas vieux, hein. Et puis alors ce côté, regardez. Ah, je suis au bout, je suis dégoûtée. Et là, ça s'enlève carrément en fait. Attendez, parce que aujourd'hui, il ne veut pas le faire. Mais... Voilà. Ah, voilà. Donc, franchement, bah, ce qui colle, il est pourri. Je suis dégoûtée. À moins de recoller ce qui est en train de se barrer et puis de. Je sais pas, peut-être trouver des strass, recoller des strass dedans. Je sais pas, je vais le faire. Hein. Dommage, franchement, je voulais kiffer quoi. Sinon, il était trop beau. Franchement, je kiffe trop. Il allait trop bien à Django quoi. Donc, je vais voir ce que je peux faire avec ce Licol. Et puis, j'ai une petite longe noire. C'est un petit va avec. J'ai un Licol éthologique. Hop, petit Licol étho noir, tout simple. Je sais pas comment vous le montrer. Ça me sert surtout pour l'éducation en fait, tout ce qui est travail à pied, je m'en sers assez souvent, on va dire. Donc celui-là, très utile, achat utile. Ensuite, j'ai pas 30 000 paires de protection, hein, j'en ai qu'une, elle date de moins 10 ans, j'ai envie de vous dire. Mais elle a tenu le coup, c'est un truc de fou, ça vient de chez Decathlon, c'est fou comme ça. Donc c'est une petite paire de protection, comme ça. Hop. Tout ça, donc là vous avez le petit logo Sfuganza. Ensuite elle s'attache donc comme ça par des petits clips. Vous venez clipser comme ceci. Et par contre, ce qui est pratique avec ces protections, c'est qu'à l'intérieur donc, vous avez toute une mousse en fait qui s'enlève pour le nettoyage. Donc voilà, donc celle-ci vous avez vu qu'elle est passée sous l'eau et en fait ça, un petit coup de machine et c'est parfait. Donc ça, c'est un achat rentable, contrairement à certains, qui durent 4 mois, même pas. 10 ans. Ensuite, les cloches, pareil, Decathlon. Ça fait au moins 10 ans, je les ai. Petite cloche noire, toute simple, je suis désolée, c'est un peu simple. Cloche noire, simple, un peu plus basique. Ensuite, j'avais acheté des protèges Glom au début que j'avais Django, parce qu'il arrêtait pas de se les taper, en fait, dès qu'on partait un peu trotter ou quoi. Django, c'est pas de folle, laisse tomber... Se mettait des coups dans les glomes en fait, donc j'avais acheté des petits protèges glomes. Mais voilà, monsieur est grandi. Heureusement d'ailleurs quand même, c'est chose normale. Mais du coup elles lui vont plus. Donc elles sont là, elles traînent, elles ne servent pas à grand chose. On verra peut-être si un de ces quatre, elles pourront aller à quelqu'un d'autre.
Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah, alors là, j'ai ma longe. Longe toute simple qui me permet, pareil, de longer Django. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux vous mettre la vidéo dans le petit i en haut, là. Où je travaille Django en longue graine. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Tapis, filet? Allez, tapis. Alors, hop. Les tapis, c'est pareil, j'en ai pas 15 000. J'en ai 1, 2, 3, 4, plus un amortisseur. Youhou. Alors, amortisseur noir avec un faux mouton synthétique à l'intérieur. Donc là, vous avez toute la gouttière. Hop, les petits attaches pour mettre à votre selle. Et celui-là, je crois bien que je l'ai acheté chez Ors aussi. Et celui-là est de très bonne qualité, je tiens à préciser. Ors ne font pas non plus que de la merde. Hein. Mais quand c'est pas bien, faut le dire. Et quand c'est bien, faut le dire. Donc celui-là, il est top. Franchement, regardez. Je l'ai utilisé à mort. Hein. Je l'ai lavé dernièrement. Il est nickel, quoi. Parce que dès que je travaille un peu Django avec le surfait, je lui mets. Et franchement, rien à dire. Il est revenu parfait. Ensuite, j'ai un petit tapis fait maison avec ma maman. Donc celui-là, il est blanc et chocolat. Donc, il est comme ceci. C'est un taille normal. Hein. C'est un taille cheval, coupe classique. Et sur l'autre endroit, avec ma maman, on y a inséré le petit prénom de Django. Donc celui-là, je le kiffe. Il est trop beau. Franchement, en plus, il ressort trop bien sur lui. Donc, il est trop beau. Ensuite, celui-là, c'est mon chéri qui m'a acheté. Alors, c'est un tapis aussi de chez Decathlon. C'est un Fuganza. Hop. Et celui-là, il est bleu. Pas comment on dit. Bleu. Bleu clair tache et noir, je le kiffe aussi, il ressort super bien, surtout quand on va se balader un peu dans les bois. Celui-là, j'aime bien le mettre, on me voit bien comme ça. En période de chasse, il n'y a pas de risque. Parfait, je le kiffe celui-là. Et sur l'autre côté, par contre, il n'a pas de bande noire. Hop, voilà. Ensuite, celui-là aussi, c'est moi qui l'ai fait avec ma maman. Je le kiffe. Alors, il est noir et doré celui-là. Je sais pas si vous arrivez à voir quand c'est noir. Donc, le galon est tout doré. Je le kiffe. Il est trop beau. En plus, avec des gros matelassés comme ça, là, j'aime bien. Pareil, taille cheval, coupe classique. Alors, ensuite, celui-là, c'est une grande histoire. C'est mon premier tapis d'équitation. Comment vous dire? Je crois qu'il a, je sais pas, 15-20 ans. C'est un Fuganza. Je sais pas si vous vous rappelez de cette collection pour les anciens cavaliers. Je sais pas si vous allez reconnaître. En fait, il a une petite cordelette dans les tons de rose et violet. Il était vraiment tout violet. Alors là, je pense que vous voyez la trace de la selle, quoi. C'est impressionnant. Des deux côtés, hop, il est taché. Mais c'est un truc de fou. L'intérieur, bah, il est presque mieux conservé, en fait. J'ai l'impression. Donc celui-là, je le mets plus. Je le garde parce que c'est vraiment sentimental en fait. Et voilà. Ah, je l'oublie, hein. Ne bougez pas. Et je suis là aussi. Je suis là aussi, bah, je l'ai fait avec ma maman. En fait, avec ma maman, on aime bien. Hein. Les tapis, puis les frontaux. Vous verrez bientôt aussi sur Instagram, je vous mettrai quelques photos. On est en train de restaurer un vieux filet. Vous allez voir un peu ce que ça donne. C'est super beau. Donc là, hop. Il est encore mouillé, désolé, je viens de le laver. Donc tapis bleu marine avec ce coup-ci l'initiale de Django ici, et en fait c'est tout en argenté et blanc les cordelettes. Je sais pas si vous arrivez à voir. Celui-là, je le kiffe aussi, ça lui rend trop, ça rend trop bien sur Django, c'est trop la classe. Hop. Ensuite, on passe au filet. Alors, les filets, c'est pareil. Donc, j'en ai pas 15 000, j'en ai 3. Alors, celui-là, c'est le plus récent. La marque, je sais pas. Je saurais pas vous dire, honnêtement. Je sais pas. C'est un cadeau d'anniversaire. C'est ma petite sœur qui m'a acheté. Alors, regardez.
avec le petit signe ici. Hop. Ensuite, donc vous avez la muserolle qui est plutôt sympa, j'ai envie de dire. Cette muserolle, elle a un petit bout de cuir en fait ici pour protéger tout simplement la tache qui a tendance des fois à venir un peu pincer là sous la gorge des chevaux, donc c'est pas très agréable. Alors, hop, donc ici, comme ceci, cuir de vachette noir, je le kiffe, il est trop beau, avec une têtière anatomique. Ici, vous avez aussi tout un système pour pas que votre sous-gorge vienne vous embêter, en fait, dessous, ici. Elle passe par-dessus, pour le coup, c'est super pratique, en plus, elle est coincée là, du coup, ça fait pas de va-et-vient, les deux morceaux de cuir, ils ne viennent pas pincer, en fait, derrière les oreilles de votre cheval. Donc ce filet, je le trouve juste parfait, super bien pensé. Voilà. Ensuite, alors mon deuxième, c'est un sit-poule. Alors celui-là, c'est pareil, je crois que je l'avais acheté chez Kramer, celui-là. En fait, c'est un sit-poule bitless. Alors je vous explique. Ça veut dire en fait, il n'a pas de sous-gorge. Si vous voyez ici, donc vous avez tout le passant qui passe ici. Ensuite, vous avez tout un cordon qui vient faire un croisé comme ceci sous la gorge de votre cheval et qui vient ensuite repasser dans des anneaux, et ici vous venez attacher vos rênes, vos longes, tout ce que vous voulez. Donc en fait c'est un style fou qui va venir faire pression sous la gorge au lieu de venir faire pression sur les naseaux en fait. Donc je suis pas convaincue par ce système en fait. Et puis comme tout en ce moment, non mais tout casse en ce moment, bah, c'est impressionnant. Voilà. Donc en fait là logiquement c'est pas censé bouger, vous voyez, hein, les fils ils sont censés être cousus, hein, mais non, c'est en train de tous découdre et bientôt ça va péter, donc je peux plus l'utiliser en fait, je suis au bout de ma vie, je l'ai goûté. Donc qu'est-ce qu'on va devoir acheter? Ah c'est cool. Alors ensuite j'ai mes paires de rennes, donc une paire de rennes toute simple qui va avec mon nouveau filet en tissu, donc je suis pas trop fan, franchement non, j'aime pas trop. Et ensuite j'ai ma paire de rennes en cuir, cuir fin, les lanières sont pas trop épaisses ni trop larges et je les kiffe. Celle-là, mais c'est mes rennes fétiches, mais laisse tomber, je peux pas monter ça, clairement, je les kiffe. Ensuite, j'ai mon collier de chasse qui est aussi en cuir avec des élastiques de couleur bleu marine, je l'adore, il est trop beau, regardez, c'est trop beau, je les kiffe. Qu'est-ce que j'ai pu mettre ce collier de chasse quand je montais au club? Pareil, franchement, il a super bien résisté dans le temps. Je suis hyper contente. Bon, je l'entretiens de temps en temps, bien sûr. C'est pas parce que je le mets pas que je l'entretiens pas. Hein. Mais franchement, je dois dire qu'il résiste plutôt bien. Les élastiques, ils sont encore en super bon état. Les attaches, pareil, elles sont super. Ça, c'est du bon matos qui dure dans le temps. Donc, je suis super contente. J'ai hâte. Ensuite, j'ai mon surfait qui vient de chez Decathlon, tout simple, hein, avec, donc vous voyez, donc il est en toile, l'intérieur c'est tout du rembourré mais aéré, je sais pas si vous voyez tous les petits trous d'aération pour pas que votre cheval transpire non plus de trop, même si c'est pas très large, ça fait bien transpirer cet effet de plastique là. Donc hop, il se positionne comme ceci et vient s'attacher comme ceci, je sais pas si vous arrivez à le faire. Voilà, comme ça. Voilà. Donc il est réglable des deux côtés en fait au niveau du bodon. Donc vous voyez comme je suis large. C'est un taille cheval, je crois. Bah déjà c'est plus grand ça. Mais si je dis pas de conneries. Ouais, taille cheval. Taille unique en fait en gros quoi. Ensuite, j'ai toutes mes couvertures. Alors, pas en couverture, c'est pas la saison. Je sors les polaires et tout, juste pour vous. Hein. Donc là, j'ai une couverture polaire de chez Fukanza aussi, si je dis pas de bêtises. Oui, Fukanza. Donc, couverture polaire. Attends. Hop. Comme ceci. Couverture polaire, donc avec petit renfort au niveau du garrot. Une petite attache devant et des attaches qui passent sous le ventre, il y en a deux. Et ensuite, vous avez la petite cordelette de sous-queue là. Donc ça, bien pratique pour l'hiver.
Ensuite, j'ai une couverture anti-mouche. Alors la marque, je sais plus, je l'avais acheté sur hors store privé, je sais pas si vous connaissez. Donc honnêtement, la marque. Donc la couverture anti-mouche, elle s'attache par l'avant et l'arrière. Vous avez aussi des petits attaches qui passent entre les pattes arrière. Donc tout simple, hein. Voilà, anti-bête. Plutôt pratique en cette période quand ils ont une petite douche ou qu'ils viennent de transpirer. Voilà, c'est plutôt pratique de l'avoir toujours sous la main cette période. Ensuite, ça c'est une petite couverture de concours en fait, je sais pas comment appeler ça. C'est une couverture en coton, tout simple. Pareil, je crois qu'elle vient de chez Decathlon, c'est une Fuganza. Je sais plus, ça va à l'envers. Alors voilà, une petite couverture, vous voyez c'est en coton mais c'est fin. Hein. C'est vraiment pour le transport ou pour le sortir en concours un peu quand il fait un peu frais. Ou... Donc elle est bleue et couleur camel et blanc. Hop, je vais vous montrer un peu plus en détail. Donc voilà, celle-ci se présente comme ça. Voilà, avec un petit protège-garrot comme d'habitude. L'attache au devant, les attaches dessous et l'attache dessous-queue. Ensuite, j'ai un couloir, un polaire et imperméable. Alors ça, c'est trop bien. Franchement, quand on sort en promenade comme moi, même si je le monte pas et que je pars juste en balade, je le mets quand même sur le dos. Hein. C'est trop pratique, quoi. Quand il pleut ou quoi, c'est génial. Mais pareil, chez Fuganza, je crois que je prends un abonnement chez eux. Alors, pareil, bleu et camel, la sortie à la couverture, vous l'avez dit précédemment, sauf que celui-là, il a un petit liseré bleu ciel. Je sais pas si vous voyez bien. Comme ceci, avec l'emplacement de la selle. Hop, ici avec le petit rappel du logo ici et ensuite donc comme vous voyez tout l'intérieur c'est tout du polaire. Voilà. Ensuite j'ai ma couverture de pluie pour automne, début hiver. Alors franchement j'ai pas envie de la déplier celle-là. Donc elle est marron, toute simple. Je sais pas si vous arrivez à voir ici, elle est un peu en maille, un peu respirante quand même. Donc ça c'est vraiment pour la mi-saison. C'est pas pour les gros froids d'hiver, parce que moi cet hiver du coup j'étais obligée d'accumuler celle-là, plus la polaire, plus des fois encore une autre. Donc cet hiver ça va être investissement d'une grosse couverture d'hiver, où on en met qu'une seule, ça sera plus simple. Et donc la dernière, donc ça c'est une petite couverture séchante en microfibre, c'est hyper pratique. En pleine chaleur comme ça, peut-être pas trop, c'est plus la couverture anti-mouche, mais alors hors saison d'été, c'est celle-là qu'il vous faut. Pareil, elle vient de chez Decathlon, elle n'est pas très chère, elle va trop bien, donc c'est en microfibre. Vous douchez votre cheval sort d'une séance, il a transpiré, vous lui mettez la couverture, je vous jure, en un quart d'heure, il est sec votre cheval. Donc cette couverture, elle est vraiment parfaite. Ensuite, je vais vous parler de mes bandes. Donc mes bandes, j'en ai des bleu marine, comme ceci. Pour aller avec mon tapis bleu, comme ceci. Hop. Ensuite, j'ai des Jackson, comme ceci, qui sont beige. Qui sont beige, comme ceci. Donc celles-là, elles vont avec mon tapis blanc et chocolat. Hop. Et hop, ça va ensemble. Voilà. Comme ça, on sort tout équipé, tout beau. Ensuite, j'ai des paires de bandes blanches, classiques, hein, blanc. Ça, je pense que tout le monde en a une paire chez lui. Ensuite, j'ai toujours mes vieilles bandes violettes qu'elle a avec mon tapis violet. Alors, bizarrement, hein, les bandes, pourtant, je les ai mis, hein, les bandes. Hein. Mais bizarrement, elles sont encore en super état. Donc, c'est encore des Fuganza. Hein. Voilà. Donc les bandes, elles sont encore en super bon état, elles sont pas abîmées tant que ça, quoi. Donc on verra, peut-être un jour un coup de speed, je vous habillerai Django en violet. Ça peut être drôle, on verra. Et la dernière paire, l'incontournable bande noire,
classique. Pareil, pour mettre avec mon tapis noir et doré, ça va trop bien. Et celle-là, c'est de la marque Fintrack. Pareil, comme les bleus, en fait. C'est la même marque, donc voilà. Franchement, je les ai pas achetés cher. Je sais plus où je les ai achetés, mais je suis pas du genre à me ruiner pour une paire de bandes ou un truc comme ça. Donc voilà. Ensuite, passons à la chose la plus importante et la plus merveilleuse que je peux avoir dans ma série. Alors, je vous présente Madame Antares. Donc, elle est magnifique. Je l'adore, je l'ai acheté d'occasion cette selle. Oh, c'est une merveille quoi, je sais pas quoi vous dire dessus. À part qu'elle est hyper lourde. C'est peut-être son seul point négatif, son poids, j'ai envie de dire. Oh, mais alors le siège, l'assise, mon dieu, on dirait un fauteuil cette selle. Je sais pas quoi vous dire dessus, à part vous la montrer un peu plus. Alors, ma selle Antares. Donc il me semble que c'est une selle mixte, 17 pouces ou 16 pouces 5, je sais plus. Je sais plus, franchement, faudrait que je regarde, mais... Donc, hop, donc le cuir, c'est une merveille. Je sais pas comment vous dire. Et puis elle est vieille, hein, cette selle, mais elle a super bien résisté dans le temps aussi, hein. Ça fait un bail que je l'ai. Hop, donc nous avons les étrivières de chez Antares aussi, qui sont juste parfaites. Elles viennent pas vous pincer les mollets, celle-là, je sais pas comment vous dire. Des fois, les étrivières, elles viennent pincer les mollets, là. C'est pas très agréable, donc là j'ai mon étrier banal en alu qui est dans sa petite protection pour pas rayer ma selle. Voilà, ils sont très usés, franchement je vois pas l'intérêt de vous les montrer tant que ça. Et voilà, la présentation de mes affaires s'achève ici, je crois que je vous ai tout montré. Donc cette vidéo est terminée, donc si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire et à partager ma vidéo. N'hésite pas aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et Instagram, je mets régulièrement de nos nouvelles. Donc je vous dis à tous à très bientôt, je vous fais des gros bisous et surtout, oublie pas de papouiller ton poney. Bye bye!